Bonjour à tous, merci messieurs les modérateurs. Il y aura probablement un petit peu de redite avec les communications précédentes, mais l'idée était de définir un petit peu, en consultation ou dans notre activité clinique, quel patient choisir. Alors, si l'ostéotomie dans les laxités antérieures va être isolée, notamment en chirurgie vétérinaire, il va falloir nous qu'on puisse définir quel patient choisir. Et pour cela, en fait, on va s'attacher à des facteurs intrinsèques au patient, bien connus, l'âge, le BMI, l'analyse radiologique, est-ce que c'est un varus constitutionnel, quelle va être la pente, et puis surtout s'attarder sur le niveau d'activité du patient et quel est son souhait. Et puis après, revenir aux fondamentaux quand même, l'examen, est-ce que les douleurs sont médiales, est-ce que j'ai une faible réductibilité de ce varus, et quelles sont les amplitudes articulaires. Alors quand on regarde un petit peu dans la littérature où on regarde les laxités et les déformations varus, en fait finalement on définit bien deux groupes bien distincts, c'est-à-dire le patient qui a une symptomatologie principalement arthrosique et il pourrait être un bon candidat à une ostéotomie dans le plan coronal isolé, et puis le patient qui a un varus et une instabilité, où là on pourra discuter l'association des deux. Alors, si on regarde un petit peu dans la littérature, ça avait bien été démontré, l'âge est un facteur pronostique de l'ostéotomie, et que si on a des patients qui sont supérieurs à 55-56 ans, eh bien on a un risque d'échec à court terme de notre ostéotomie, donc bien prendre en compte ce facteur-là. L'âge idéal, on retiendra 40-55 ans. Si on regarde le facteur intrinsèque qui est le BMI, là aussi il est clairement démontré que le taux de survie à 10 ans va drastiquement diminuer si le BMI du patient est supérieur à 30 degrés, donc on retiendra un BMI idéal avec inférieur au moins à 25-30. Les facteurs anatomiques, ça avait été très bien démontré, tout le monde en parle depuis tout à l'heure. La déformation, elle doit être extra-articulaire, supérieure à 5 degrés. Et le score d'arthrose, comme vient de le dire Elliott, il faut que ça soit des scores ALBAC 1 ou 2, sinon on n'est plus dans l'indication de l'ostéotomie. Lysakos, en 2005, avait défini un petit peu les patients idéaux, les patients qui étaient possibles. Alors, on a vu quelques facteurs, l'âge, le BMI, la déformation extra-articulaire. Et puis, il retenait comme une indication possible, quand même, les ruptures du croisé antérieur. Et il tenait compte aussi de l'activité en disant que c'était une très bonne indication chez les patients qui avaient une forte demande d'activité. Je pense que là, on peut, dans ce contexte de rupture du croisé antérieur, mettre un petit bémol et pondérer cette chose. En 2019, la SFA avait fait une étude multicentrique sur 481 patients. C'était finalement extrêmement intéressant de voir qu'ils avaient pu mettre en évidence un score finalement très simple à calculer en consultation et qui était de très bons pronostics, entre guillemets, sur la pérennité de cette ostéotomie en tenant compte de l'âge, du BMI et du score d'arthrose. Ils ont montré que pour un score supérieur ou égal à 3, le taux de survie de l'ostéotomie était non satisfaisant. Donc finalement, c'est quoi le patient idéal? Eh bien, le patient idéal, on retiendra que c'est un patient de moins de 55 ans avec un BMI inférieur à 30, un score ALBAC faible, inférieur à 3, un genou stable et une demande sportive peu importante, puisque si elle est importante, elle pourra faire discuter la combinaison à une reconstruction ligamentaire. Je vous remercie.